Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la promotion de l'épisode de Mad Max. Donc chers amis, comme vous pouvez le voir, on a fini à peu près tous les camps et les toutes les saloperies qu'il y avait à faire à part les champs de mines. Donc dans ces régions, j'aimerais par conséquent aller terminer donc les trois petites choses qu'on pourra retrouver ici, c'est-à-dire les deux snipers si je me trompe, non, le sniper et les deux épouvantails qui restent de toute la map. Hop. Donc on va commencer de toute façon par celui-là. Hop, j'avais mis l'autre en premier, mais on ira le faire en dernier. Est-ce qu'il va réagir si je monte par la gauche? Non, pas du tout, dommage. Hop. Voilà. C'est parti. Alors, ici nous avons un épouvantail. Pourquoi pas? Juste pour voir, est-ce qu'on a quelque chose là-dedans? Un puits de pétrole? Bah on va aller le faire en même temps, tiens. Hop! On a un puits de pétrole à trouver là-dedans, on va en profiter. Hop! Tiens, bouffe! Ils vont pas venir sur moi. Non, ils viennent pas sur moi, c'est bon. Hop. Hey, salut les mecs. Boum, boum, boum. Raté. Hop, bouffe le jaune. Alors je laisse me prendre exprès. Esquive d'empoignade, BAM! C'était fait exprès, je précise. Hop. Apparemment il y a d'autres gens, donc on a deux ferrailles et un puits de pétrole. Donc ça va être facile je pense. Ah, on est encore niveau 2 dans cette zone hein, quand même. C'est pas rien. Salut les mecs! Raté. Oh le retour du coude. Pouf! Tiens, crac! Raté. Boum! Abattage furieux. Voilà, apparemment il reste encore des ennemis dans le coin. Hein. On a des munitions ici, ça peut être cool. On récupère notre couteau du coup. Hop, on a la ferraille ici. Et on doit avoir le projet ici. Parfait. 1, 2 et 3. Parfait. Parfait, parfait. Alors, de ce côté-là, c'est fait. Maintenant, l'autre... Je crois qu'on est tombé d'ailleurs du truc. Non, même pas. Le prochain... Ah merde, la voiture, elle est où? Là-bas. Le prochain... mince. Alors, c'est un sniper ou un épouvantail qu'on est cherché. C'est un sniper. Hop. C'est parti, je la trouve vachement dans la voiture. Chut, il y a un repas à quatre pattes. Si tu le dis. Je crois voir un sniper ici. Bam, plus de sniper. Nouvelles améliorations débloquées dans le garage. Ah bon? Où ça? Ouh, d'accord. Là, je vais la prendre. Hop. Ce qui me donne accès aussi donc au dernier niveau. Hop, génial. Parfait. On a le dernier harpon de feu, ça c'est cool. Qu'est-ce qui nous reste dans le coin? Des infos à récupérer. Réserve d'eau ici. Élevage asticot juste à côté. Une décharge ici avec une... Hop. Des ferrailles, des pièces à récupérer un peu partout. Là non. Là on a un truc. Là on a un truc. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? On va aller là. On commence par là.
On va réduire le niveau un maximum. Hop. Boum. Hop les. Hop. Là il y a une mission secondaire. Je crois qu'on aille les faire aussi, mais on en profitera pour distiller un petit peu le comment les différents champs de mines en fait. Je pense. Et il a survécu le sac. Voilà. Menace réduite. Il lui reste de la menace. Alors ça m'étonne. Ah oui, il reste le champ de mine. Et bah vous savez quoi, on va aller faire le champ de mine de cet endroit là. Hop. On va aller récupérer notre voiture. La bonne voiture, donc avec Dinky D à l'arrière. Projet puits de pétrole peut être construit. Il est là-bas. Hop, on y va. Je me suis assis sur ton siège, hein, Mouduglan. Hop. Est-ce qu'on aura le droit à un... Non, pas du tout. Ok. Hop. Choisir un autre véhicule. Dans la collection, il me semble que c'est. Le voilà, il me semble. Le buggy de Chum. Voilà. On y va. Let's go rummage, dog. Alors, je vous rappelle que niveau défense, ce véhicule est moisi. Moisi au possible. Est-ce qu'on a débloqué peut-être l'endroit? Non, pas du tout. Bon, on va chercher. Hop. Raté. Heureusement, on a encore notre arme. Pour nous dépatouiller en cas de besoin. Hop. Oh là là. Elle en chie. Hein. Elle tourne pas. Ah, dis donc. Non, il n'y avait rien là-haut. Ok. Bon, on n'a plus qu'à chercher. Oh, t'es sérieux? Hop. Oh merde. Oh j'espère qu'il va repop. Oh merde. Bon bah j'espère qu'il va repop. Ça me ferait drôlement mal. J'ai vu une sauvegarde se faire, ça m'inquiète. Oh non, t'es pas sérieux, j'en sors tout juste. Oh merde. Ah oh, chier. Oh, dites-moi que je l'ai pas complètement abattu pour le restant de sa vie, enfin pour le reste de tout ça. S'il vous plaît. Oh, mais t'es censé être un buggy, le sable c'est ta vie normalement. Regardez comment elle ralentit, regardez ça. Oh putain, je vais rouler encore sur un bonhomme. Allez, roule, 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 roule. Hop, à l'abri. Mais non, on l'a pas la nitro, t'es con. Choisir un autre véhicule. Et on repart. Normalement, ça devrait le faire. Buggy de Chum. On devrait être bon là. Ah. De Dieu. Putain, dire que j'ai roulé sur un bonhomme quoi. Non, apparemment il est revenu. Je crois que c'était lui. Apparemment il est revenu. Parfait. Fou! Bon, le chien t'a intérêt à être au taquet par contre, hein. Merde. Ça fait bizarre en plus quand y a pas de chum pour gueuler derrière.
Hop. Tu pourrais avoir quelques réactions, le chien, ou pas? Parce que ce serait cool en fait. Tu sens Oh pas le... shit. Ah. 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 Où elle est? Juste en face, parfait. Hop. D'accord. Ça faisait pas ça avant. Oula, il y a un sniper là-bas. À vrai dire, j'essaie d'esquiver un petit peu le... les quelques voitures qu'on a pu voir passer tout de suite là. Et qui ont mystérieusement disparu. Là, là je suis à fond sur l'accélérateur, chers amis, autant vous le dire, hein. Oh la vache. Ne faites pas demi-tour, putain, mais là je suis à fond sur l'accélérateur, hein. Hop. On a bien une qui va venir sur moi là. Ça m'a affiché toutes les mines, c'est cool. Allez! Bon, ils sont descendus. Mais non! Oh les trous du cul! Ah mais je suis à fond là, hein! Allez, avance dans le bon sens, putain! Mais non! Allez! Ça y est, ils sont descendus. Hop! Mais ils sont remontés, mais non! Allez, viens dé. Hop. Boum. Non? Dommage. Allez, viens dé. Boum. Ça, c'est fait. Allez, bois un coup, Max. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la dernière pour aller me faire sauter dessus. Bof, non, elle est pas loin. Elle est pas loin. En plus, il n'y a plus le sniper qui me dérange. Normalement. Hop, ça devrait être bon. Hop! Ça, c'est fait! Deep Fria, normalement, tu descends à zéro, mon pote. 100% de la menace éliminée, est-ce que tu t'es plus présent sur ce territoire? Cool. Cool. Bon, par contre, la bagnole n'est pas en forme. 155 scrap, c'est pas énorme. Surtout si c'est pour redonner un petit peu de santé au chien. Je crois que j'ai pas le droit de me téléporter en plus, qui plus est. Et on a deux champs de mines ici. Je vais commencer par aller chercher celui-là, en espérant qu'elle accélère un peu plus. Oh là là! Allez! Oh, elle avance à rien. Hop. Heureusement qu'il me dit qu'il avait donné un V8 parce que putain, j'aurais jamais cru, hein. Oh nom de Dieu. Déjà, je vais me faire chier à les réparer, à les faire les mines à chaque fois. En plus, le voyage jusqu'aux mines est chiant. Faut les chercher déjà. Une fois que tu les as cherchés, faut réussir à les trouver, entre guillemets. Et une fois que tu les as trouvés, faut réussir à. Faut se descendre à aller les désamorcer, quoi. Ou alors se péter dessus, quoi. Ah bon, c'est stupide. Et là, elle a une conduite de merde.
Hop. Oh, mais genre. Hop. Voilà. Course à la mort qu'on n'a pas faite ici, faudra qu'on pense à bien la faire. Hop. Crac. Bon, le chien, tu sens pas de truc? Mais genre. Faudra que j'aille me faire ce camp. Sinon il va être saoulant. Ah. Ah ouais non mais c'est celles qui étaient déjà sur la map en fait. Oh que c'est casse-couille. Y'a pas un mec qui est en train de gueuler il y a 2 secondes? Y'a un mec qui imitait mon chien? Non? Je suis persuadé d'entendre un mec qui imitait mon chien. Ah! Voyez, je me trompe pas. J'ai vu. Allez. Et boum. Voilà. Une de moins. Toujours ça te fait. Où est-elle? D'accord. Hop. Parfait. Je pense que je vais appeler cet épisode les dégâts collatéraux, ça peut être cool. Oh, ça tombe de rien quoi. Alors, j'ai traversé tout ça, donc je pense qu'il faudrait que j'aille plus par là. Si je vais par là, je pense que je vais tomber dessus. On y va le chien. C'est le Dinkity. Good dog. Apparemment il a senti quelque chose. Ah oui, effectivement, il y a un... Ok, je suis passé juste à côté, c'est cool. Oh merde, il veut absolument que je fasse celle-ci avant. Ah bah heureusement qu'elle n'est pas hypersensible, hein. Ok. Allez, cherche, cherche mon chien. Cherche. Allez. Ok. Parfait. Une de plus. Et l'autre. Un peu plus sur la droite. Ok, juste là. Bon. Et une de plus. Ça, c'est fait. Scrotus ne patrouille plus dans la région. Ah oui, vous trouvez? Personnellement, j'ai un doute. Ferraille, 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 ferraille. Pièce. Y'a pas une pièce un peu plus proche? Je vérifie juste. Bon, bah on va chercher la pièce là-bas. Si pour peu qu'ils avancent un petit peu plus vite que moi, ce serait cool. Parce que bon, ce véhicule-là, il est pas très rapide. J'allais dire ce vaisseau, mais non. Ce véhicule est pas rapide du tout même, je dirais. Ah bah j'ai plus de bruit de moteur.
Alors, on va relancer. Ah, ça y est. Bon, je sais bien qu'il est hyper buggé ce moteur, mais quand même. Alors, eux, ils ont réussi à avoir un accident en se tapant dedans. Si c'est pas des patrons. Oh non, mais j'y crois pas. J'y crois pas, ils me suivent, c'est trop du cul. Ils ont fait demi-tour, parfait. Hop. Salut les mecs. La forme. Oh oui, prends-moi. Voilà, boum. Et boum. Raté. Et boum. Où est le dernier? Boum. Bah alors. Et boum, je te noie moi. J'ai pas peur. Crac. La ferraille. Bon, est-ce que quelqu'un veut négocier maintenant qu'on en a fini avec tout ça? Bon couteau, ça c'est parfait par contre. Ça tombe littéralement à pic. Hop, 1, 2 et 3. Mon élément de projet. Et ma ferraille supplémentaire, elle est juste ici. Hop, parfait. Parfait, parfait. Est-ce que je récupère mon couteau ici? Non. Là, il nous en reste un. Il nous en reste encore 2, 4, 6, 8 à faire. Oh la vache. 8 champs de mine, on en a fait que 3 là, je crois. Hein. Bon. Bon. Bah écoutez, on va se téléporter, je pense, chez. Chez Jit ou chez Pinkai, je sais pas. Chez Pinkai, on a un truc à faire, donc on va se téléporter chez Pinkai d'abord, avant tout. On va aller faire le projet qu'on a réussi à finaliser. Hop, un instant. Voilà, re, chers amis, excusez-moi pour cette petite coupure. Enfin, vous l'avez pas senti, moi je l'ai un peu plus senti que ça. Je vois de la ferraille en bleu là-bas, mais c'est pas ça que je cherche. Là, voilà. Donc, il me semble que c'est ferrailleur. Nettoyeur, voilà. Donc j'ai pas besoin de la récupérer sur les véhicules, ça va directement me les donner. Ça peut être intéressant. Bon, on les fait pas au meilleur moment parce que bon, faut le faire quand on fait par exemple les convois, etc., etc., etc. Mais bon, c'est pas extrêmement important. Est-ce qu'on a le droit à une... Ah oui, on a le droit à une amélioration du camp. Bon. Ok, un drapeau. Est-ce que ça va changer? Je sais pas, je pense pas. Oui, je vois pas trop de différence, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, alors maintenant on va se re-TP vite fait chez Jit. Et je vais mettre... Ah, il veut pas? Ah, alors ça m'intrigue. Il veut pas que je me TP chez Jit. De chez Pinkai. Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont en froid? Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? On va se téléporter au plus près quand même pour voir si on peut pas s'y re-téléporter encore. On peut pas à nouveau s'y téléporter. Intriguant. On va aller voir. Et on va du coup aller chez Jit, parce qu'il veut vraiment pas. Hein. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas? Il y a une fumée noire, mais je crois que c'est normal. Quoique les fumées représentent des centres d'intérêt d'après les chargements du jeu. Ça m'intrigue. Oh, elle en chie. Allez. Allez. Hop. Non. Non, il n'y avait rien de particulier. Bon. J'aurais cru. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de l'Apéro. On peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire GamesPlanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu Fallout 4 et ce jeu donc Mad Max.
Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.